l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une excellente lettre. Dans toutes les polios, on a suivi deux parties, une partie doctrinale et une partie pratique. Dans la partie doctrinale, Paul toujours exposé théorie, ça nous capable de doctrine, lui expliquer, lui exposer doctrine. Et dans la deuxième partie, lui dit non seulement ces doctrines pour nous connaître, mais comment pour nous pratiquer doctrine. Et ça fait dans tout domaine scientifique, c'est de théorie et pratique, théorie et pratique. Et en pile fois dans l'église, nous sommes capables de bien problème ça, nous en pile connaît doctrine, nous réciter en pile verset, nous connaît doctrine par cœur. Mais est-ce que gagner un poids égal, est-ce que gagner vraiment un parallèle, un droit parallèle, un équilibre entre cette doctrine et la pratique? Parce que sur la pratique, de la doctrine, et bien la doctrine est vaine et sans valeur. Et c'est pour cette raison, Paul, après avoir exposé la doctrine de l'Église aux Éphésiens, et pour le montrer, appelle l'Église-là, dans la première partie, elle s'est expliquée comment l'Église-là, c'est une unification entre peuple juif et païen. Et dans le chapitre premier, c'est ça le montrer. Lui montrer l'église là vraiment bon Dieu qui est plein salut, hein, le Père et puis le Fils lui exécuter et le Saint-Esprit lui-même lui appliquer. Et dans chapitre 2, lui montrer vraiment, lui parler de la mort spirituelle et lui montrer transition qui vient entre cette mort spirituelle et le salut. Et c'est ça nous voyons dans Éphésiens chapitre 2. Le verset 8 qui a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Or, le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et là, tout lui montrer que juste avec païens et foncelles à travers l'Église. Et il y a une division entre l'Église, entre païens avec juifs, et bien, à travers le sang de Christ, à travers la croix, et bien, mon Dieu, il y a un seul peuple, ni juif qui croit. Et nous parlons qui croit, nous faisons une seule entité spirituelle qui est une habitation de Dieu en esprit. Et ça arrive juste dans le chapitre 3, il arrive dans le chapitre 4, où il y a pour la vie, mes doctrines, mes sanouillés, mes vocations, mes cougnats, mes qui s'en a fait. Et c'est ça que fait, dans, ici, dans l'épée du chapitre 4, là, marcher d'une manière digne, c'est un mot grec, un seul mot grec qui dit action. Action, ça signifie poids égal. Poids égal, qui veut dire que doit gagner un équilibre, un poids égal entre vocation avec marche là. Et Paul commence pour lui dire, il dit, mais qui j'en marche là, et marche là, c'est une marche qui a fait dans toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. Maintenant, description, ça a des rapports au sein de l'Église, à l'intérieur même de l'Église. D'abord, hein, côté que l'Église besoin d'unité, l'Église besoin de marcher comme un seul corps, et sur la base d'un seul Dieu, d'un seul Esprit, d'un seul Sauveur. Et c'est ça nous voyons dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 5. Et maintenant, il y a toute humilité, et ça veut dire que un monde qui a marché digne dans le Seigneur, qui a un poids égal par rapport à vocation, et puisque normalement Jésus-Christ lui-même, lui, c'est un humble sauveur, lui, c'est un humble Dieu, eh bien, vocation en tant que chrétien, appelle mon fait que ma marché dans l'humilité. Et nous sommes capables de comprendre tout ça. Humilité, humilité, c'est un monde qui vraiment pas mettre tête en haut tout le monde. C'est un monde qui est disposé à chercher l'intérêt des autres. C'est un monde qui a gardé qui ça qui bon, non seulement pour être, mais qui a cherché d'abord l'intérêt l'autre chose. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc vocation, c'est très, très, très important. On comprend?
vocation ça la fait dans humilité et la fait dans douceur. La fait dans douceur. Dans douceur parce que normalement, les chrétiens ont besoin de marcher dans toute douceur. Au même, les chrétiens ont besoin de marcher dans toute douceur parce que normalement, et vocation lui montrer qu'il faut qu'on marche. Non seulement il faut bien humilité, mais il faut qu'on marche avec douceur. Vous comprenez? Il faut marcher dans douceur. Oui, oui. Donc, dans douceur, là, nous chrétiens besoin de marcher dans douceur. Nous chrétiens de douceur, et douceur là, il dit que nous, monde qui serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, ont besoin en réalité parole ou besoin d'un sel. Amen. Parce que parole sont bagay qui capable tuer, parole sont bagay qui capable élever moun, parole sont bagay qui capable défendre moun. Et m'a rappelé pas longtemps y a dans mon illustration, yon moun qui entre dans l'église, yon sœur qui entre dans l'église. Mais li entre avec un rad qui yon petit décolleté comme ça, mais qui modestie, qui a qui de modestie quand même, parce que col pas dehors, fin pas dehors, et puis aucune partie n'est finie pas dehors. Et puis, responsable l'église a dit nous pas rentrer là. Ou pas rentrer dans l'église ça pas fait pour nous comme ça. Et bien, frères et sœurs, dame ça, jeune ça, y aller, il dit pas besoin de tourner l'église encore. Et bien, pile monde que nous mettons dehors, sous formalisme religieux avec parole dans bouche nous alors que même les moun n'ont pas accepté Jésus-Christ li gen wa bon bagay li pou ko comprendre parole moi pas bon moyen pour mettre le viol l'église au contraire m'a relé Jean qui dit relé pour dire et bien ça comme nous chrétiens et bien habillement ça on pas penser l'illogique on pas besoin celle route devant tout le monde. Parce que la Bible dit l'amour ne fait point de mal, l'amour, la charité ne fait point de honte. Donc, au monde qui se serviteur de Christ, ou pas capable de dire parole dans le bouche, c'est détruire le monde avec parole. Ça, pas oublier, frères et sœurs, langue bouche, nous, son bagage qui est vraiment important. Mais Jacques dit, langue ça, son petit effet là dans nos forêts, qui est capable de briser. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu qui est appelé pour le ciel, qui ont vocation pour nous représenter le Seigneur, eh bien, non seulement nous devons marcher avec humilité, mais nous devons douceur. Parce que, pas oublier, Jésus dit, c'est un monde qui doux et humble de cœur. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28-29, Jésus-Christ, si nous portons marque de Christ, eh bien, la douceur, humilité, c'est la marque d'un chrétien sauvé. Un chrétien sauvé. Elle dit vous supportant avec patience. Troisième caractéristique, là, il dit pop, machal, impliquer la patience. Et la patience, c'est le monde qui a une capacité d'endurance pour attendre, pour marcher, pour persévérer dans l'épreuve. Et pendant que nous avons supporté quelques bagailles, nous n'avons pas découragé, nous avons patience parce que nous espérons, mon bon Dieu. Elle dit, pour nous capables de supporter les uns les autres, vous supportant les uns les autres. L'Église n'est pas un corps isolé. L'Église, c'est un corps de frères et sœurs. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est le temple de Dieu. Côté que si nous faisons un seul corps, il parle d'un seul esprit, d'une seule âme, d'un seul corps. Eh bien, nous devons apprendre à supporter une autre. Dans l'église, n'est pas capable de classe sociale, classe X, classe Y, classe Z, classe monde qui a un gros l'argent, classe monde qui n'a pas un gros l'argent, classe monde intellectuel, classe monde qui n'a pas intellectuel. Non, l'église, c'est un corps côté nous devons porter support par l'autre. Et mes amis, apprendre ça, je dis à moi-même avec vous, nous avons besoin qu'on ait. Lorsque nous baillons un frère ou sœur qui choisit dans l'église, ce n'est pas charité que nous faisons dans le sens que nous faisons au monde. C'est un devoir moral, spirituel. La Bible exige que nous supportions l'autre comme frère et sœur.
L'église a une conception sur le monde pareil, qui t'a expliqué, il a besoin de l'hôpital, comme si c'est un monde qui est mal. Non, c'est pas comme si on monde n'a pas un frère, si nous dans l'église, nous ramassons quoi pour nous aider l'hôpital, aider le pays, aider les malades, aider l'homme en cas. C'est un devoir, c'est une obligation même que nous avons de nous supporter les uns les autres, mes frères et sœurs. Donc, c'est par rapport à notre vocation. Vocation, c'est pour le ciel. Vocation, c'est pour la vie éternelle. Vocation, c'est représenter le Seigneur Jésus-Christ. Vocation, c'est marcher comme monde sauvé, monde qui a une fixation, qui a fixé ses sur Jésus. Eh bien, spirituellement, nous avons besoin d'humilité, douceur et patience. Et nous avons supporté l'une l'autre. Verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est pour nous efforcer, pour nous conserver, pour nous garder unité. Unité, ce n'est pas union. Unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous avons union, mais nous n'avons pas unité. Qu'est-ce que cela veut dire, unité? Unité, c'est avoir la même pensée en doctrine, la même conception. Si l'Église a un équilibre spirituel, croyant, on doit comprendre la doctrine, saluer à même gens. Nous ne pas qu'à quoi tu es sauvé là, quoi, bon, divergence dans l'église là, un peu nous croyons sauvé pour l'éternité, un peu quoi c'est ce qu'il y a fait. Un peu quoi, faut qu'on marche dans la sainteté, un peu quoi, c'est pas ça, pas de sens, un peu quoi, faut qu'on ait l'amour, un peu quoi, pour nous pas marcher dans l'amour, non. Donc, cette unité, son unité qui est nous en doctrine, Et si nous sommes capables de garder le devant, côté Paul a dit, dans le verset plus bas, côté le décrit, il y a toute description, mais là, il y a le pasteur, il y a le prophète, etc., il y a le docteur, le verset 12 a dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Gloire à Dieu. Et cette unité en doctrine, c'est là pour nous donner même pensée, pour nous comprendre la doctrine des mêmes gens, sous l'influence des docteurs, des pasteurs, des enseignants fidèles à la parole de Dieu. Et le lien de la paix, c'est-à-dire que moi, je dois chercher la paix, la tranquillité entre nous, pour ne pas avoir une division en doctrine, en parole, pour que je ne peux pas parler l'autre mal. Nous devons mettre tête nous ensemble sur cette base, par rapport à notre vocation. Et ensuite, Paul, au verset 17, a continué. Paul a monté une série de vents, une série d'expositions, une série de bagages qui vraiment pas marché avec le comportement chrétien, avec la vie chrétienne. Et Paul, au verset 17, a dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça, c'est la marche de l'Église. C'est la marche de l'Église. La marche de l'Église, c'est que l'Église, pas doit marcher comme des païens. Parce que païens ont une forme de vie, une façon de vivre, qui marche selon la vanité de leur pensée. Le monde qui païen Christ dans la ville, lui marche selon la vanité, qu'elle lui fait saluer la ville, lui dit mon saluer la ville, lui fait saluer, là, les côtés élevés. Mais le serviteur, bon Dieu, capable de trouver la situation pour le réfléchir, parce que ça qui est capable de faire nous sembler, tout ça qui est capable de faire nous sembler avec le monde qui n'est pas converti, eh bien, parole, bon Dieu, m'a dit, pour nous capables vraiment faire la différence. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment
ils se sont livrés à la dissolution ou commettent toute espèce de tout jours à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Frères et sœurs, nous avons un monde là, côté que nous avons détourné la voie de Dieu. Côté, nous avons un monde côté où il y a une fille mariée avec fille, garçon marié avec garçon, bagaille ça, les dissolutions, bagaille ça, c'est abomination. Parce que pas un doux, ça n'a rien de mal. Ça grave, côté que c'est un garçon ou fille qui pour marier, qui pour des relations sexuelles. Mais mes amis, petit bon Dieu, bagaille ça, pas capable d'encourager l'Église. L'Église n'est pas capable de faire mariage homosexuel. L'Église n'est pas capable de faire mariage homosexuel. L'Église n'est pas capable de marier un garçon à un garçon, une fille à une fille. Et je dis à quelqu'un qui a créé les spécialités. Spécialité, pas longtemps là, la calabre, le bonifié, pour y avoir une vidéo de la chambre, d'un côté que, bête, nous n'avons chien, bête, ça c'est spécialité. Madame Saoudi dit, pas y avoir marché sur la vanité de leur cœur. Et dans Romains chapitre 1, frères et sœurs, la Bible dit, colère bon Dieu, ça va tomber sur tout le monde, ça va tomber la vérité captive. Et cette vérité captive, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation naturelle. Que bon Dieu baille, que tout le monde est capable de voir bon Dieu exister, que tout le monde est capable de voir à travers la nature, que bon Dieu là. Et c'est pas qu'on est, mon pas qu'on est. Mais je dis à mon décider de faire ça ouvrir. Et ça, c'est bagaille grave. Frère Max Seigneur, nous allons aller plus loin. Parce que si nous avons une description, vous n'avez pas marché selon Dieu, selon vocation, nous n'avons pas besoin de finir. Mais qui te dit nous ça? Pas pile fois, nous n'avons pas connaître leur marché digne de la vocation. C'est aller à l'église seulement, c'est rester dans le jeûne, c'est la prière, 6 heures, la prière, midi. Mais qui te dit, si nous regardons dans Ésaïe chapitre 58, verset 1er à 11. Nous va apprendre ça, nous va garder comment un bon comportement digne de la vocation pour que tout le monde puisse vraiment partager pain. Parce que la prière, c'est bon, jeûner, c'est bon, aller à l'église, c'est bon, service, c'est bon. Mais faut que nous pratiquions les vertus chrétiennes pour nous marcher selon vocation. Enfin, faut gagner un équilibre, un poids égal entre cette vocation dans la vie pratique que nous avons menée. Ça veut dire que si nous sommes monde qui sauvés, le comportement nous doit refléter le monde qui a la vie éternelle. Si puisque nous sommes monde qui a la vie éternelle, eh bien, nous devons nous monde qui aspirer d'abord aux choses d'en haut. Pendant notre travail sur la terre, pendant notre possède des cailles, nous possède des machines, nous allons à l'école, nous faisons tout le bagaille, mais pas oublier notre travail, notre société, la caille, notre famille, l'église à côté de nous, nous sommes monde qui ont vocation. Pour nous marcher selon la volonté de Dieu, pour nous faire sel et lumière, pour nous capables de faire briller le royaume de Dieu. Parce que le Christ allait te dire, d'ici qu'il faut quitter le monde là. Et peut-être qu'il s'est quitté nous, il quittait l'Église au milieu de ce monde, parmi ce monde, dans ce monde. Nous ne sommes pas vraiment, nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans le cosmos. Pour que le monde soit capable de voir la gloire de Dieu à travers nous-mêmes. Et c'est peut-être ça qui se passe à tout aller avec nous. Déjà, fort des monde chrétien qui était même dans la grande tribulation, a des témoignages chrétiens, a des saints martyrs qui ont témoigné la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous-mêmes avec vous, matin, nous devons éviter. Et c'est peut-être ça, Paul, la Bible, exhorter nous parce que nous sommes capables de faire heureux, nous, ce monde. Mais en songe, vocation nous, c'est pour le digne et c'est pour nous capables de un poids égal avec ça, nous, en tant que chrétiens, nous marchons devant le Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous pendant notre songe, nous avons besoin d'humilité, douceur, patience, supporter une lettre, une autre entraide et pour nous éviter de marcher dans la voie des inconvertis et pour nous marcher dans la voie de la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde ce matin.